Presidente. Certains politiciens sont comme les diseuses de bonne aventure. Ils tombent dans l'effet puits. Celui-ci consiste à prononcer des phrases totalement vides de sens, mais qui donnent l'impression de dire des choses crédibles et importantes. On peut même faire ces phrases au hasard. Prenons ce tableau derrière lequel se cachent des bouts de phrases. Pour devenir l'auteur d'un discours politique, cliquez n'importe où, une fois dans chaque colonne. Dès lors, sachez que je me battrai pour faire admettre que la volonté farouche de sortir notre pays de la crise conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens de solutions rapides correspondant aux grands axes sociaux prioritaires. Comme vous le voyez, écrire des discours à effet puits est à la portée de tout le monde. Produire une vraie pensée politique, c'est autre chose. Vous pouvez continuer à vous exercer pour les prochaines élections. Je vous invite à discuter de tout cela et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Et en attendant, votez Lazarus. Presidente. Et c'est en toute conscience que je vous déclare avec conviction que la volonté farouche de sortir notre pays de la crise conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens d'un avenir s'orientant vers plus de progrès et plus de justice. Je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort que la situation d'exclusion que certains d'entre vous connaissent fait des préoccupations de la population de base dans l'élaboration d'un avenir s'orientant vers plus de progrès et plus de justice.